Alors Julien va vous conseiller. Oui, alors peut-être, Éric Manuel, que vous êtes à la recherche quand même, comme beaucoup de consommateurs, de cosmétiques plus sains. Et donc, vous avez peut-être aperçu dans les rayons des allégations sur les cosmétiques qui disent « ce cosmétique est sans ceci ou cela » ou « 0% ceci, cela ». On connaissait les sodas zéro, mais maintenant, la grande tendance, c'est les cosmétiques zéro. Ça vous parle ou pas du tout? Oui, ça nous parle. Hein, c'est vraiment c'est quelque chose. C'est un peu bizarre, c'est comme si je disais, c'est un livre de Schmitt sans Houellebecq. Oui, voilà, ou sans... C'est des définitions négatives, c'est toujours un peu de mal avec ça, moi. Eh bien, oui, justement, on va mais dans la nourriture, il y a ça, il y a parfois des jambons sans gluten, mais oui, en fait, ou il n'y en a jamais dedans. Donc, sans sulfite, sans colorant. Ouais. Je vais essayer de vous aider à décrypter. On va commencer avec un exemple. Regardez, j'ai trouvé un shampoing sans silicone. On va voir l'étiquette à l'écran pour que vous puissiez reconnaître l'allégation. Hein. Donc, sans silicone, vous voyez une photo qui apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire sans silicone? Quand on voit ça, on a l'impression que c'est une garantie de naturalité, parce que les silicones, on le sait, polluent un petit peu, ne sont pas biodégradables. Certains disent qu'elles étouffent le cheveu, qu'elles nous rendent addicts, etc. Et donc, un consommateur, une consommatrice pourrait se dire, bah, tiens, c'est mieux, celui-là, il est mieux. Alors qu'en fait, non, ça veut juste dire que cette formule ne contient pas de silicone. Donc évidemment, c'est vérifié et vérifiable. Ah, mais il y a peut-être d'autres choses. Mais ça s'arrête là. Voilà, par exemple, là, en fait, ce shampoing-ci, vous voyez, contient quand même un conservateur qui est réputé potentiellement polluant pour les mères, il contient un parfum synthétique dont on ne sait pas s'il est polluant ou pas, ah bah et des sulfates qui ne sont pas forcément neutres pour l'environnement, vous voyez. Donc, mais c'est légal de alors faire justement, ça, d'afficher c'est sans silicone ça qui est intéressant. Comme si j'étais super et... Au niveau de la réglementation européenne et française du coup, on ne peut plus tellement maintenant en cosmétique utiliser cette allégation. Par exemple, on n'a jamais pu dire sans cyanure, à votre avis pourquoi? Pourquoi on ne peut pas dire ce shampoing est sans cyanure? Parce qu'ils sont tous sans cyanure. Parce qu'ils sont tous sans cyanure, évidemment, puisque c'est une substance interdite. Donc là, pas de souci. Mais on ne peut pas non plus mettre sans phénoxyéthanol, hein, un conservateur polémique. Pourquoi on ne peut pas? Parce qu'on décrédibilise le phénoxyéthanol, qui est un ingrédient certes polémique, mais autorisé par la réglementation. Ouais. Tout ce qu'on peut faire, c'est dire sans alcool, sans parfum, sans silicone, pour autant que l'information donnée aux consommateurs soit probante et serve aux consommateurs de bonne foi à poser un choix. D'accord ? Donc ça, c'est ce que l'autorité nous dit. Alors évidemment, les marques, elles sont passées à autre chose. Elles n'utilisent plus trop sans. Le zéro. Elles passent au zéro. Regardez, j'ai encore un autre exemple ici avec un gel douche. C'est on va voir une photo à l'écran pour que vous voyez en plus grand depuis chez vous. Regardez, ce 0% à nouveau... On dirait que c'est pur, c'est sain, il y a rien de mauvais dans ce gel douche. Et si vous lisez bien, là sur la photo qui a disparu, 0% de savon et de colorant. Ça veut dire que c'est un gel douche sans savon. Bon, bah forcément, comme la plupart des gels douches, et sans colorant. Vous voyez, c'est écrit en petit là pour le coup, 0% en grand. Et savon et colorant en petit. Le 0% sans savon, bah super. Voilà. Et ça, on a le droit de le faire. Un message, une information. Alors là, c'est vraiment un coup de marketing assez fortiche. Parce que 0%, vous voyez que le 0%, vous vous dites, il n'y a pas d'ingrédients polémiques dedans. Et pourtant, si, là, pour le coup, il va y avoir de l'EDTA, il va y avoir du sodium lauréate sulfate, il va y avoir aussi des composés pétrochimiques, des dérivés d'huile de palme, etc. En bref, ce 0%, ici, dans ce cas-ci, hein, ne veut rien dire. Et là, j'ai encore un déo. Ça, c'est encore plus récent, les déo 0%. Là aussi, regardez bien la photo. 0% porte sur quoi, là? Aluminium. Aluminium. Alors ça, c'est bien. Oui. Un déo sans aluminium qui nous dit « je ne contiens pas d'aluminium, de sel d'aluminium ». Pourquoi? Parce que certaines personnes veulent l'éviter, parce qu'il est, il est réputé peut-être cancérigène au long terme. Hein, on ne le sait pas, en tout cas sur la peau lésée. Mais là aussi, malheureusement, ça ne porte que là-dessus. Mmh. Hein, ce n'est pas une garantie de naturalité. Là, dans ce déo-ci, par exemple... Ah oui, on pourrait exemple, croire que 0% cochonnerie, quoi. 0%, oui, voilà, ce n'est pas 0%. Mais je pense que le consommateur a tendance à penser ça. Mmh. Hein, Virginie, voilà, hein, exactement. Ça, ouais. Alors qu'ici, dans ce déodorant, vous allez avoir... J'ai trouvé un composé parfumé qui s'appelle l'alpha-isométhylionone. Ne retenez pas ça par cœur, mais c'est un parfum qui est réputé, au long terme, très irritant et allergisant. Donc, pour le coup... pas merci. Neutre, donc, pas neutre. On arrête de se laver les cheveux, les bras et non, de mettre du déo. Non, il y a plein de conseils. Comment on fait? Il y a moyen. Alors, il y a deux solutions. La première solution, c'est de chercher le label. Vous allez en voir apparaître sur votre écran. Il y a des labels bio, cosmétiques, par exemple, naturels.
Slow, il y a plusieurs types de labels sur le marché reconnus. Il y en a 5. Là, j'en ai 3 à l'écran, mais il y en a 5 à retenir par cœur. C'est ceux-là en partie. Ils vous garantissent l'absence de produits pétrochimiques, polémiques pour l'environnement. Par contre, attention, ils ne vous garantissent pas l'absence totale d'allergie, parce que vous pouvez être allergique à tout. Vous pouvez être allergique à une huile essentielle de lavande qui peut se trouver dans un produit bio. Mais par contre, là, vous avez une garantie par rapport à l'environnement. Et si vous-même, vous êtes allergique ou si vous devez éviter certains ingrédients, la seule solution, c'est de vous armer de lunettes et d'aller lire la liste des ingrédients à la loupe. Ouais, par exemple, si vous voulez éviter le parfum, ben vous cherchez l'ingrédient fragrance en anglais, en langage inki ou parfum, ou alors vous évitez l'alcool, vous cherchez le mot alcool. Bref, vous apprenez par cœur les mots qui vous intéressent, dont vous ne voulez pas dans vos cosmétiques. Sinon, il y a des petites astuces, il y a la loupe du téléphone, par exemple, qui marche bien et qui commence à me servir beaucoup. Voilà, voilà. Donc, on a décrypté un abus du marketing. J'espère que ça vous aidera à poser les bons choix. En gros, il faut continuer à lire les petites lignes à côté du gros 0% et dans les ingrédients. Exactement. Merci beaucoup, Julien, pour ces informations. Vous